Bonjour tout le monde, c'est Buranox et on se retrouve pour le deuxième épisode de ce Let's Play sur Kirby et le labyrinthe du miroir. Donc je tourne cet épisode tout de suite après le premier, donc on va continuer là où on s'était resté. D'ailleurs je me suis fait arnaquer parce que j'ai perdu mes pouvoirs. Bref, ça on s'en fout. Par contre, voilà, je sais pas trop où je dois aller en fait. Bon bah, il y avait pas tellement le choix. Mais c'est pas le niveau que j'ai déjà fait ici. Il me semble avoir déjà fait ce petit niveau. Ouh, je suis pas sûr de l'avoir fait. En fait, je sais plus. Attendez, laissez-moi réfléchir. Non, il me semble pas qu'on l'a fait en fait. Non, non, on l'a pas fait. Bah, on va prendre la porte, hein. Ça paraît un petit peu logique. En tout cas, moi, ça va super bien. Vous, j'espère que ça va super bien. Je vous remercie de regarder cette magnifique vidéo hors du commun, totalement inédite. Jamais vu dans le monde de YouTube. Non, évidemment, il y a bien sûr des personnes qui ont déjà fait des vidéos sur ce jeu. Mais à la limite, j'en ai rien à foutre, connard. Tu me laisses le pouvoir électrique. Meurs. Ok. Bon, bah, on va prendre le pouvoir du rayon. Ah, oui. Non, j'ai déjà dû passer par là, vu que j'ai déjà ouvert un coffre. J'étais allé en bas la dernière fois, il me semble. Oui, j'étais allé en bas. Oh mon dieu, c'est un chip. Meurs. Si je peux. Oui, parce que le pouvoir de la taupe, il est quand même super craqué. Oh mon dieu. Ah, rends-moi le pouvoir. Mais... je vais te détruire. L'avantage avec ce pouvoir, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de... comment dire, suivant la touche qu'on appuie, ben, il y a vraiment beaucoup de pouvoirs différents. Ce qui nous permet de, suivant les situations, d'aider ou... je vais crever. On va prendre ce pouvoir. Toi, le chip, tu dégages. Non, c'est là, c'est plus. Ouh là là. Là, s'il me reste plus qu'un tout petit peu de vie, donc si je pouvais trouver de la vie, je dis pas non. Ah, je suis mort. Sérieusement, ça fait un petit peu pitié. Ok, on reprend le pouvoir de l'épée. On shoot l'autre passage, on continue. Je suis... c'est marrant parce qu'il fait beaucoup penser à, Link. Avec sa petite épée, je sais pas si c'est un clin d'œil, si c'est fait par pur hasard. Évidemment, il y avait de la vie, je suis mort juste avant. Non. Bon bah voilà, hein, ça revient au même. Tac 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 tac. Oui oui, là on était déjà passé, je me rappelle très bien de ce passage. Comment ça se fait que je dois refaire ça, hein? On va essayer de se dépêcher alors. Hein. Ah oui, il y avait le faux cœur en vie. L'âge de la bouffe. Qui me rend invincible. Ah ah, tu ne peux rien me faire. Et là on se barre avec l'étoile. D'accord, ça jusque là tout est logique, on l'a déjà fait. Bon allez, tu te barres. Go 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 power. Oui, là aussi on était déjà venu, je me rappelle très bien. Ouh là là, toi je veux te tuer. Meurs. Ouh là là, un requin. Un putain de requin. Peut-être que je me suis simplement trompé de chemin. Ah. Non, le pouvoir du missile. Non, le pouvoir du missile est juste excellent. Hein. Bon, il est pas très très maniable. Hein. Ok, pas du tout maniable. Bon, ok, on prend le pouvoir du rayon parce que j'ai pas envie de me faire chier. Vu qu'on a déjà fait ce passage, je sais pas pourquoi. Ah, je dois le refaire. Tu dégages, tu fuis, Kirby, fuis. Monter. Nya. Non, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai la puissance du rayon avec moi. Je préfère la puissance de... Mais saute. Ok. La puissance de... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un boomerang. Ah, génial. Par contre, il bug un petit peu quand je saute là. Ah, ah, tu dégages. Ah, et puis on peut contrôler. Génial. It's perfect. Oulala. Là, là. Là, on n'est pas venu, par contre. Toi, en bas, tu dégages. Oulala. Là, là. On va appeler nos petits amis, là. Hey les gars, venez m'aider. Ok, il y a la porte qui sort de nulle part. Et on m'entend, go, 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 go. Bousillez-lui la kiffoule. Il faut tuer ce frigo elfique. Ah, tu as brûlé le mille feux.
Bon, ok, j'aurais sûrement pas besoin de l'aide des autres. Oh. Vous avez pas le droit de rire. Non, vous avez pas le droit de rire. Mais. C'est pas grave, on continue. On prend la putain de porte. Et qu'est-ce que c'est que ça? Oh, d'accord. Je vais pouvoir des bombes avec moi. What the fuck? Ok, c'est une porte avec un petit arc-en-ciel dessus. Ah d'accord, qui nous permet de revenir, de naviguer entre les niveaux. Moi, je veux le pouvoir du karaté. Oh, excellent comme il est sonné, monsieur. Oui, je sais. Attention, c'est le tacle, c'est le tacle, oui. Prends ça. Regardez-moi ça. On dirait un kamehameha. Non, mais tu permets. Oui, vous avez. Vous, je viens d'avoir un petit détail. C'est bon, j'ai ce que je voulais. Oui, je viens d'avoir un truc qui m'a fait chier juste là, et alors. Hey, what the fuck? Oulala, c'est pas passé bon. Alors, ce truc, c'est vraiment chiant. Je savais pas que ça m'appelait cette merde. Tacler comme ça, mais je sais pas trop où je dois aller en fait. Merde, j'aurais dû l'avaler. Est-ce que je peux avaler ce truc? Absolument pas. Ouh là là. On prend la vie en continu. Oh putain. Est-ce que je peux le bouffer lui? Oui, je peux. J'ai le pouvoir. C'est bien, il nous donne pas mal de bouffe. Oulala, oulala, oulala. Vous me faites pas chier. Oh, combo, triple kill. Ah, vite. Ok, d'accord, c'est pas grave. Oulala. Oulala. Oulala, non. Je veux garder mon pouvoir. Quelle porte je dois prendre? Je pense plutôt celle-là. Ça doit... Ok, c'était peut-être pas une bonne idée en fait. Si c'est une porte cachée, c'est sûrement qu'il y a quelque chose de caché. Tu fais pas chier. Vite. Voilà, j'ai récupéré le pouvoir de la pécoque. Juste aller récupérer ça alors. Je sais pas trop pourquoi ils mettent des chemins cachés qu'on est obligé de prendre. Oh mon dieu, je suis poursuivi par un chip. Ok, je viens de traverser le plafond. Oulala. Mais ce truc est totalement nul. Celui-là aussi. Une vie. Ok, encore un raccourci, encore un raccourci. On aime ça les raccourcis. God. Ah non, je dois monter. Ah, c'est bon. J'ai cru que je me ramassais les piques. Bah moi, je garde mon épée, hein. Je fais pas caca. À mon avis, on va voir un petit boss. Oh mon dieu. Merde. Bougez votre cul. Oh là là, il y a des cailloux, il y a des putains de cailloux. Ah non, pas le caillou, pas le caillou. Allez, on lui bosse la gueule, on lui bosse la gueule. Ok, tu étais vraiment merdique, mon gars. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord, c'est un bout de miroir. On en a déjà un, aussi vite dans le jeu. Je pensais pas qu'on en aurait un aussi vite. Oh, j'étais bien nul. Waouh, c'est tout mignon, cette danse. Et ben voilà. Ok. Ah, en fait, d'accord. Ok, on va devoir naviguer entre ces mondes afin de pouvoir retrouver les 7 morceaux d'étoiles dispersées. Et non, je ne voulais pas faire ça. Je voulais faire ça. Alors, ok. C'est vraiment cette carte où j'y comprends absolument que dalle.
Ok. Ben vous savez quoi, on va se laisser là-dessus. Parce que voilà, on est pas mal déjà dans la vidéo. On a battu un boss, déjà. Je m'attendais pas qu'on le batte aussi vite, mais c'est pas grave. On se retrouvera pour l'épisode prochain. Allez, salut tout le monde, bye.